On m'appelle le poète. J'ai des rimes et des rêves plein la tête. Je clame avec passion des poèmes que je compose moi-même. J'arrive les mains dans les poches. Je n'ai nul besoin d'une débauche de guitare et de sono. Je vous parle avec mes mots. Je suis Gérard Guillot, poète, clameur de mots. La poésie est dans ma nature, mais la nature aussi est dans ma poésie. C'est dans un écrin de verdure que j'écris et que je vis. Tous les matins, je contemple le lever du soleil, le ciel et les lueurs qui s'éveillent au-dessus du mont Cassel. Flandre, comme tu es belle. Ben, je pense que la poésie et le jardin vont ensemble. Hein. Les paysages sont poétiques, le poète aime la nature, tout cela est un ensemble, je dirais, harmonieux. Donc voilà, et lorsqu'on a un beau coin de nature qu'on peut agrémenter, dans lequel on peut même avoir son âme d'artiste, où on peut créer quelque chose, c'est comme lorsqu'on crée une poésie, c'est la même chose, c'est aussi agréable. Alors, quand j'étais petit, j'étais déjà dans la Vénois, ce sont des grands jardins, en soi, c'est la nature, donc j'aimais la nature. Ensuite, mon épouse a été de la campagne, elle habitait près de Saint-Omer, à Limbre, et donc pendant 20 ans, on a vécu ensemble près du mont Deka. On a acheté un terrain, on a fait un jardin, et lorsqu'elle est décédée, j'avais dans mes bagages tout ce que m'avait appris mon épouse, c'est-à-dire le jardinage, l'harmonie des couleurs, la façon de planter, vraiment beaucoup de choses qu'elle m'a enseignées. Et donc, je suis parti sur une nouvelle vie avec un nouveau jardin, avec une nouvelle maison, et puis à vouloir créer quelque chose de beau, que j'aimais, quelque chose c'était important pour moi. Il y a différents jardins dans mon jardin. Hein. Lorsqu'on rentre, il y a la ferme du 18e siècle, donc une grande bâtisse, devant déjà un jardin avec un bassin d'eau, avec de l'eau qui coule, des poissons, des arbustes à fleurs, donc fleuris le devant. En rentrant à gauche, nous avons un nouveau jardin zen que j'ai créé cet hiver, donc encore avec de l'eau qui coule. Ensuite, lorsqu'on va à l'arrière à l'arrière du jardin, il y a une très grande mare, une mare très romantique, hein, avec des nénuphars, beaucoup de nénuphars, et ensuite d'autres plans d'eau qui communiquent les uns avec les autres. Le jardin fait 3,5 hectares, donc il est quand même assez vaste. C'est pas un jardin avec beaucoup de fleurs, c'est pas des collections de fleurs, c'est plus une âme, un paysage dans la campagne. J'adore l'eau, hein, parce que c'est le jardin d'eau et de poésie. Et puis, c'est un support aussi, ça permet de faire venir les gens, de leur faire visiter une belle région, la région des Monts de Flandre, et puis leur faire écouter ma musique, la musique des mots. Ce que j'adore, c'est être dans la nature. Donc j'ai besoin de cette nature pour déclamer mes poèmes. Il y a 6-7 ans vraiment que j'ai commencé à écrire régulièrement. Hein, auparavant, je n'écrivais pas. Donc, et puis j'ai commencé avec des poèmes un peu tristes, et puis après je suis parti sur des poèmes avec des jeux de mots, un peu à la Raymond Devos. Et puis après, il y a 4 ans, lorsque mon jardin a subi des dégâts dus aux pesticides, là j'ai commencé à écrire des poèmes de défense de la nature. Et donc beaucoup de journalistes m'ont appelé le slameur des champs. Voilà. Et j'ai un slam qui est le slam des Flandres, qui en parle bien. Je peux vous le dire en 2 secondes. Hein. Je suis un poète dans l'âme, j'aime Rimbaud, Verlaine et le slam. Je suis un poète dans l'âme, j'aime Rimbaud, Verlaine et le slam. J'écoute avec plaisir la voix chaude et grave de Grand Corps Malade. Il nous parle de Paris, de sa banlieue, comme d'une belle balade. Mais pour moi, je vous le dis comme je le pense, dans ces rues, dans ces lieux, il y a trop de bruit, de violence. Moi, je préfère le calme et le silence. J'habite un petit village des Flandres, là-haut, tout au bout de la France. Et je vous le dis et je le pense, j'ai vraiment beaucoup de chance. Paris et sa banlieue ne sont pas toute la France. Voilà, je suis un poète dans l'âme. J'aime Rimbaud, Verlaine et le slam. Je suis un poète dans l'âme. J'aime Rimbaud, Verlaine et le slam.
Et pourquoi seulement le slam des jeunes, des banlieues? Pourquoi n'y aurait-il pas d'autres slams dans d'autres lieux? Pourquoi pas le slam des Flandres ou même le slam des vieux? Et j'aimerais que partout sur la terre, à la campagne, à la montagne, à la mer, chacun prenne un crayon, écrive en vers tout ce qu'il pense de sa vie, de son univers. Voilà. Et que c'est une rencontre avec des gens passionnés et des gens passionnants aussi. Donc c'est ça qui est bien. C'est pas seulement d'avoir le jardin, c'est pouvoir faire venir les gens dans le jardin. Et puis je sens que là, ça fait plaisir quelque part. Je me dis, ben non, je peux mourir quoi. Non, je plaisante, mais bon.